C'est vraiment gênant les films de cul japonais. Quoi? Non, je dis c'est vraiment gênant les films de cul japonais. Tu sais pas trop quoi penser. Et tu sais pas trop si tu dois te sentir gêné. Enfin... Tu fais quoi? Et en fait, comment tu fais pour avoir plus de 100 000 personnes qui te suivent sur Twitter? Incroyable! Parce que j'ai une technique. Ouais. J'ai créé le concept de raconter des films à l'envers. Raconter des films à l'envers? Ouais! Bah, par exemple, le premier Star Wars, c'est l'histoire d'un champion de sport médaillé qui aide à reconstruire une base militaire et qui devient éleveur sur une planète désertique. Bah non, mais ce concept particulier, il existe depuis longtemps, non? Ouais, mais c'est moi qui l'ai inventé. Quoi d'autre? T'as Matrix, c'est l'histoire d'un super-héros qui vit dans un ordinateur et qui se réveille et qui va travailler au bureau. Dans Fifty Shades of Grey, c'est l'histoire d'un mec... T'as été voir Fifty Shades of Grey? Non. Et t'as imaginé ça comment, le concept global du truc? Ben je me faisais chier. Alors j'ai regardé un film à l'envers. C'est le jour où ma mère est morte. Ah, si tu veux, tu peux essayer, hein. C'est fun. C'est très très fun. Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde un film à l'envers. Tu sais, par regarder un film à l'envers, j'entendais pas ça au sens littéral. Ah, je sais. Je t'ai juste piqué ton concept et j'en ai fait autre chose. Quoi? Et pour pas que tu me balances, je t'ai tué. Ok. C'est un vrai flingue que t'as là. Et grâce à toi, j'ai 1 million d'abonnés. Grâce à mon concept de regarder des films à l'envers, littéralement. Je te faisais confiance. T'es un putain de traître. Ah oui? Foiré. Adieu mon ami. Et merci pour le succès.